Salut tout le monde, comment nous y est? Moi j'espère que nous tous très bien par la grâce de Dieu. Je dis à encore une fois, c'est un plaisir pour moi de retrouver vous sur la chaîne ça, Piano Harmonique qui fait pour la capable montrer au chant, adoration et louange. Dans la vidéo ça, nous allons partager avec vous un tutoriel qui est très important, qui c'est 7 bagailles, 7 notions que vous devez connaître avant ou commencer à jouer chanter. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Nous allons partager 7 bagailles avec vous qui aider en pile, surtout débutants. Donc si vous faites tomber sur la chaîne, ça ne pas négliger. Vous capable abonner avec la chaîne pour capable recevoir toutes vidéos que nous-mêmes nous postons chaque semaine. Et si vous aimez le travail que nous-mêmes avons fait, pas négliger. Balancez un like, ça va permettre que la vidéo arrive plus loin. Et plus monde à bénéficier de la vidéo. À tout de suite. Voilà, même si nous allons partager avec vous 7 notions que vous devez maîtriser avant ou commencer à jouer chanter. Un peu de monde négligé, un peu de débutants surtout, vous négligez cette partie ça. Et ça fait des fois, yo prend échec. Donc, c'est pas tutoriel que vous pas regardez. Vous regardez un pile tutoriel, mais vous pas avancer parce que vous pas maîtriser toute une série de notions de base. Premièrement, première notion, faut que vous connaissiez toute touche qui n'a bien noir. Ok, faut lorsque vous touchez une touche, faut qu'on ait qui touche lié. Faut qu'on pas un pile réflexion immédiatement toucher. Il faut qu'on dise ça c'est deux dièse, ça c'est ré. C'est un bagage que vous devez maîtriser bien. C'est clavier, nomenclature des touches. Il faut être capable de maîtriser ça très bien. Deuxième bagage, lorsque vous finissez connaître toutes touches, vous supposez apprendre à faire exercice de touches. Vous supposez lâcher de tout parce que de là, n'est pas habitué à faire une série d'exercices. Ou si vous avez fait échauffement avec le là, c'est comme si on jouait au football qui pourrait monter en terrain. Eh bien, avant que monter terrain, si vous avez fait échauffement juste pour que pour le pas prendre camp, etc. Mais même dans tout piano, c'est comme ça que lié. Lorsque vous pas de gagner une série d'habitudes sous piano, eh bien, c'est normal de une série d'exercices que vous pourrez apprendre pour que vous capable de lâcher le tout. Nous faisons un tutoriel sur tout le bail déjà. Nous avons écrit le lien juste. Nous avons mis le lien juste dans la description. Et puis après la vidéo, vous pourrez être capable de garder toute la vidéo. Vous en avez l'autre de façon que vous capable de maîtriser la notion. Si que vous pouvez vous connaître, donc vous supposez pour un petit temps pour capable de maîtriser, passer le temps là-dedans juste pour capable de connaître très bien. Troisième bagaille que vous devez connaître, numérotation dans une gamme. Ou si vous avez une gamme, ou si vous avez qui sa gamme nan yé. Ou si vous avez qui sa gamme nan yé, ou si vous avez une numérotation yo. Premier degré, deuxième degré, troisième degré, quatrième degré. Ça yo, pas supposé yon jargon étrange ou si vous avez comprendre ça bien. Premier degré à supposé majeur, deuxième degré à supposé mineur. Troisième nan mineur, etc. Donc, nous faisons tutoriel sur ça déjà. Donc, c'est ça qui fait que nous avons un peu de monde qui a une difficulté. Malgré que nous faisons tutoriel sur le chant, il y a une difficulté. Il n'y a pas maîtrisé ça. Donc, si vous avez une difficulté, ça vous capable juste cliquer dans la description. Hein, après la vidéo, ça juste pour capable de regarder toutes les notions pour capable répondre même. Quatrième notion que vous avez besoin de connaître, c'est accord. Ou supposez qu'on est qui ça qui un accord, ou supposez qu'on est tout accord de base, yo, tout triade, yo, ou supposez qu'on est yo. Il y a des accords 9e, 11e, 7e, ou qui doit pourquoi capable de faire ça, yo, nous pas de problème. Mais lorsqu'on débutant, tout petit triade, yo, majeur, yo, ou supposez majeur et mineur, supposez capable de maîtriser yo, assez bien pour capable de commencer dans jouer chant qui facile. Yo. Cinquième bagage que vous avez besoin de connaître, vous supposez faire exercice sur accord, tous les 7 accords de base dans une gamme, vous supposez faire exercice sur yo pour capable maîtriser. Mais nous faisons tutoriel, nous faisons vidéo sur ça déjà
ou bien tout la disponible. Sixième notion, hein, c'est que vous supposez apprendre divers sortes de progression, d'accord. Vous supposez qu'on est qui ça qui progression, d'accord, qui ça qui lié, et vous supposez qu'on est divers progressions. Lorsque on a dit 1, 5, 4, faut que ça, thème ça, faut que ce soit pas étrange pour vous, faut qu'on connaisse déjà. Ok, faut que si vous avez un thème ça déjà, lorsque vous arrivez dans le chanter, pour pas gagner difficulté. Septième bagage que vous avez besoin de connaître, c'est différenciation entre accord majeur et mineur. Nous faisons un tutoriel sur ça déjà. Faut que vous soyez capable de faire exercice sur accord majeur seulement et mineur. De façon que vous soyez capable de développer les oreilles avec son majeur, pour vous capable de retenir et son mineur, pour vous capable de gagner dans oreilles. C'est une notion de base très basique ou a besoin qu'on ait avant que ou entre dans chanter. Si pour qu'on sache, nous met toute vidéo ça dans la description vidéo ça juste pour capable à cliquer sur you pour capable rejoindre. Donc c'est tout ça que ou besoin qu'on ait. Si ou même connait toute bagaille ça que nous dit déjà, pas négliger, écris-nous dans vidéo pour écris-nous dans commentaire vidéo pour être capable de dire est-ce qu'on connaît déjà ou bien ou pour qu'on connaît. Comme ça nous-mêmes nous n'a connait qui genre de vidéo nous capable faire qui adapté avec ou en façon que pour que ou même ou avancer en façon que pour parler dans chemin et s'il le faut n'a fait d'autres vidéos pour capable pour débutant ou capable joindre une façon que pour capable avancer. Pas négliger sous remettre à faire ban un like pour travailler capable de plus devant. À bientôt pour un nouveau tutoriel.